Hello la famille, bienvenue sur notre chaîne YouTube, Marc et Daniel. La famille, on espère que vous allez bien, on espère que vous portez super bien. Alors la famille, aujourd'hui là, c'est un jour de ouf. Donc, si vous êtes fan des sensations fortes, vous êtes à la bonne adresse, la famille. Si vous êtes fan des émotions fortes, des sensations fortes, vous êtes à la bonne adresse parce qu'aujourd'hui là, ce qui doit se passer dans la vidéo d'aujourd'hui est très sensationnel. Là, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Je ne sais pas comment ça doit se passer autant pour moi. Mais je sais une chose, c'est que quand toute la famille Bouanda est réunie là, il n'y a que du lourd. Donc aujourd'hui, ma grande soeur nous a invités à un dîner familial. Et tout ça, je vous assure, la famille, rien n'a été programmé à l'avance. C'est arrivé comme ça. Mais voilà, nous sommes là et toute la famille de Douala est au rendez-vous. Toute la famille Bouanda, résidant à Douala, est au rendez-vous ce soir. Est au rendez-vous ce soir. Donc, c'est de ouf la famille. C'est de ouf. Donc, si vous aimez les sensations fortes, n'hésitez pas. Si vous aimez faire partie de la communauté des gens qui sont positifs, des gens qui ne partagent que la bonne humeur, vous êtes bel et bien la bienvenue chez Marc et Daniel. Donc n'hésitez pas surtout de vous abonner sur la chaîne, de liker la vidéo, like d'abord la vidéo, et surtout de donner ton avis dans les commentaires. Ça nous fait énormément plaisir. Donc aujourd'hui, en plus d'être une soirée très sensationnelle, c'est l'anniversaire de ma chérie. Ma chérie a un an de plus aujourd'hui, donc ce qui pimente encore la chose. Et moi, je ne sais pas, mon programme ne s'est pas passé comme prévu, parce qu'à la base, j'avais prévu juste un tête-à-tête familial, parce que chez nous, les Bouanda, on n'organise pas. Notre culture qu'on nous a donnée, on n'organise pas les grandes fêtes pour nos anniversaires, donc ça se passe généralement en famille. Et là, ça me donne des idées, quoi. Donc, restez. Je pense que, je sais pas, la famille, organisons ensemble un anniversaire à ma chérie. Parce que là, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire. Parce que à la base, j'avais prévu amener ma chérie dîner quelque part avec les enfants et faire juste un petit menu, un menu spécial, pas un petit menu pour l'occasion, mais surtout les amener quelque part, prendre un pot et passer du bon temps en famille. Mais là, ma grande soeur vient nous inviter la même soirée. Donc, j'ai passé toute la journée à taffer avec ma grande soeur, à travailler, gérer les commandes. On a fini tard. C'est la raison pour laquelle vous voyez, on se retrouve là aujourd'hui. Donc là, ça me donne les idées. Je sens qu'elle va improviser quelque chose pour ma chérie. Donc restez scotché dans la vidéo pour voir comment ça se déroule. On ne dit pas plus. Dans la famille, restez scotché pour ne rien manquer. Donc mettez-nous les pouces bleus dans la vidéo et on se dit à tout de suite la famille. Le pic, le pic, le
électronique. Mais le blasé, pas qu'il boit le blasé. C'est bon. Il n'aime pas le blasé, pas qu'il boit, après il mange. Si il boit, il boit, c'est le fou. Le matin, je vois mal à la personne. En plus, le glacé n'est pas bien pour l'homme, pardon. Le glacé n'est pas bien pour l'homme. Matin, il n'y a pas de verre pour les petites bouteilles. Non, quand j'ai plusieurs marques. Ma famille, là, j'improvise vraiment un gâteau d'anniversaire surprise à ma chérie. Je vous assure, ouais. Daniel. Prenez Daniel. Ok, merci. Donc, la famille, j'improvise un gâteau de ouf. Parce que là, c'était pas prévu à la base. Donc, faites le choix avec moi. Ouais. Donc, aujourd'hui, j'ai fait le. Aujourd'hui, j'étais tellement surchargé et là, vraiment, tout est arrivé comme ça, la famille. Comme on dit, la famille est sacrée, la famille, c'est important de se connecter. Donc, aujourd'hui, on a décidé que, bon, voilà, on se voit à l'improviste. Donc, tout est parti de rien du tout et voilà, j'ai décidé d'improviser un truc pour ma chérie Daniel. C'est vrai, on n'avait rien organisé, mais elle ne sait pas ce qui l'attend. Présentement, elle avait les enfants, elle nous patiente, donc elle ne sait pas ce qui l'attend. Je vous assure, la famille, restez scotchés. La famille, là, je vais aller prendre les bougies. Je suis hyper pressé parce que ma chérie m'attend avec les enfants. C'est pas évident de prendre de l'autre côté. Bonsoir patron. S'il vous plaît, les bougies de l'anniversaire, c'est à quel niveau ici? De l'autre côté. Ok, merci. On m'a dit au fond de l'autre côté. Là, je viens, on me dit encore de au fond de l'autre côté. C'est pas. Bon. Bonsoir, mon patron. S'il vous plaît, le bougie d'anniversaire, c'est à quel moment? Merci. Ma famille, j'ai besoin d'une seule pièce, mais là, je trouve que les bougies, c'est en paquet. Qu'est-ce que je vais bien faire avec les paquets de bougies? Je vous assure, là, je sais pas vraiment comment faire. Je vais me renseigner au niveau de la caisse. Donc, je vais me renseigner au niveau de la caisse si c'est possible de prendre une seule bougie parce que j'en ai besoin d'une seule. Et là, c'est compliqué. Donc, je vous reviens, restez scotché la famille. Restez scotché. Famille, c'est vraiment compliqué. Donc là, on me dit de bouger. On ne vend pas en une pièce. Donc je vais devoir acheter
acheter un paquet de bougies et là ça complique les choses. Je n'ai pas prévu acheter un paquet de bougies à la famille. Je veux juste une seule bougie, une seule petite bougie d'anniversaire. On me dit tout le paquet. Donc là, ça complique les choses. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Aidez-moi dans les commentaires. Voir à ma place, qu'est-ce que vous ferez dans ce genre de situation. Dites-moi, la famille. Donc la famille s'est décidée, je vais prendre celui-ci. Les autres sont tellement énormes, je ne peux pas prendre tout un gros paquet. Donc je vais prendre juste celui-ci. Et puis, donc restez scotché la famille. Je vais prendre celui-ci. Restez scotché. On se prend pour la suite. Vous savez, même le cadeau a été improvisé. C'est vrai, j'avais prévu l'acheter un cadeau, mais mon programme m'a vraiment dérangé. Donc là, j'ai précisé à l'improviste, j'ai fait un spécial cadeau. Vous allez découvrir aussi après. Donc restez scotché la famille. Dans la famille, là, je pars récupérer mon gâteau. À la même heure. Même heure. Agréable soirée à vous. Merci, madame. La famille, donc, on se prend tout de suite. Non, tu s'en sors pas. Hey, chérie, tu me salues pas aussi. L'amour est dans l'air. Tu me salues pas. Hey. Donc, vous voulez m'oublier seulement? Non. Viens lui ramener ça dans le plat. On a pas. Donc, quand même, on plantait dans ton plat. Non, le plat, c'est dans mon plat. Thank you.
êtes en train de laver les mains pour faire quoi, ma chérie? Pour manger le piment. Ah ouais, Anna, pour faire quoi, bébé? Ah. Voilà. Mais le piment, c'est comme si moi qui les ai appris la marinade. Tu n'avais pas encore goûté, tu parles. Goût d'abord. Non, c'est moi qui ai testé le salé. Et la fumée, c'est quoi? Et quand ils sont tous les trois. L'anglais est dans son élément. Et les hommes, ils aiment manger, mais c'est bien dans le salé. Bon appétit. Bon appétit la famille. Merci. Bon appétit le même, bon appétit à tous. Merci. Merci Andrea, merci beaucoup. Ceci est un peu mélangé avec le lait, mais ça ne dérange pas. Donc, il y avait une bouteille d'eau ici. Ne baisse pas. Laisse même comme ça, ça va sortir toujours. Oui. Bon, ça mange tout ça. Oui. Cécile, bon appétit. Il y a un chiot. Ah, c'est pas bon. Dès qu'elle a fini la tout le même bon, le sang dans lequel tu mets ça, tu sens c'est bon. Elle ne m'avait pas. Elle ne m'avait pas attiré. Donc après qu'elle avait ouvert, tu vas voir. C'est un chiot pendant. Si tu mets tout droit, le bout là est dur. Ça se dépose au fond. Si tu soulèves, ça descend. Tu me peux. Donc tu penses que ça descend. Ah, elle voit. Non, moi ça. Bon, attends. Donc, c'est comme ça. Tu es plus avec ta bouche. Donc, même si tu poses ça, ça arrête les petits ponts. La pesanteur de l'eau se déplace avec lui. Voilà, et il suit le mouvement de l'eau. Oui, la pesanteur. Donc, il reste dans l'eau. Voilà, tu as compris. Bon, ça sort. Tu es un peu, tu vois. Il est dans l'eau. Tu. Attends. Parce qu'il faut tirer fort. Hein. Parce qu'il faut tirer fort. Ouais. Ok. Bon, attends, te donne l'autre alors. Elle va dire quoi, André? Regardez, tu es André alors. Il va la tirer maintenant. Non, non, elle est chargée. Oui, ça va aller. Je vais manger, je vais donner, attends. Bon appétit.
la petite ma princesse. Merci papa. Bravo ma puce. Ça va bien, ça va bien, c'est la sortie de la contrôle. Quand on a déjà, c'est ce qu'il y a dans la sortie. Cela, je ne sais pas. Rien d'aujourd'hui n'a été, rien d'aujourd'hui n'a été prévu. Vous savez, voilà la famille, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une improvisation. Comment on dit que quand vous êtes en famille, vous vous aimez, vos cœurs battent l'un pour l'autre, vos cœurs battent l'un pour l'autre, on s'est retrouvé comme ça. On a dit, pourquoi ne pas appeler pour prendre les nouvelles, donc, à la base, maman Suzanne appelait Marie pour qu'elle vienne pour remettre quelque chose. Voilà, une année de bon. Tu peux venir avec la mère, voilà comment ça a commencé. Nous, on est avec les enfants et tous, on fait les traditions et tout, donc on est avec eux, on ne pourrait même pas. Parce que on va faire appeler un peu tard. Oui. Du coup, ouais. Ça va pas grave. C'est pas parce que la deux enfants est venue à l'heure. Effectivement, la famille est venue. Elle a trois enfants, mais elle est venue. Non, c'est pas vous d'ailleurs. Tout dépend de comment vous êtes. Et il y avait mon petit pas la maison. Je vais faire un peu. Voilà une raison pour que les gens comprennent. Moi, je suis d'accord. On va laver les mains. On lave. On lave. Dans la famille, rien n'a été prévu ici. Tout a été improvisé. Et tenez-vous tranquille, il y a encore une chose de très improvisée. On l'a dit, chez Marc et Daniel, dans la famille Bouanga, c'est que l'émotion forte, c'est que la bonne humeur, c'est que la joie de vivre. Donc, restez scotchés et ne manquez pas la surprise. Non, ça ne dérange pas, je ne vais pas filmer son sein. Tant que Marie accompagne les pardon. Stécie, la ceci à la forme de quoi ouais. Et pourquoi tu n'as pas mangé la ceci? Alors chérie, dis-moi. Comment tu as pu faire ta porte avec les bébés? Mais elle a encore allé laver les mains. Oui. Maintenant c'est bien. Donc la famille. Chérie, donc la famille, vous nous regardez, vous êtes bien, bel et bien chez Marc et Daniel. Aujourd'hui, la famille, on s'est retrouvés là. L'amour de la famille, voilà, nous a réunis. C'est vrai, rien n'a été prévu. Comme vous pouvez constater, ma chérie est venue bien après nous. Donc,
nous voilà, on est là, on dit là où il y a l'amour, peu importe ce qui se passe là, hein, ça doit. Donc aujourd'hui la famille, c'est un jour spécial. Je profite de l'occasion pour vous annoncer à vous tous la famille. Peut-être vous ne savez pas. Hey, chérie, aujourd'hui c'est le jour de ma chérie. Donc, aujourd'hui c'est le jour de ma chérie. Et tu me dis pas depuis. Joyeux anniversaire ma chérie, joyeux anniversaire. Merci beaucoup ma mère, merci. Happy birthday la mère. Merci. Mais c'est la même fois que tu avant lui. Ah bon, hein? Sérieux. Sérieux. C'est chérie, je connaissais avant toi. Non, la famille en réalité c'est chez nous. Peut-être à partir de l'année prochaine, chez nous on n'est pas habitué. La culture qu'on nous a donnée, ce n'est pas de faire les grandes fêtes. Vous avez vu à l'occurrence sur la fête de mon grand frère, c'était si ma femme Esther n'organisait pas cette surprise, est-ce que vous allez voir un anniversaire? Donc chez nous c'est comme ça, depuis que vous connaissez la famille Bond, est-ce que vous avez vu, on a pensé, c'est l'anniversaire de tel, c'est l'anniversaire de tel. Donc aujourd'hui je profite pour cette union familiale pour dire à ma chérie, tu as un an de plus aujourd'hui. Déjà pour commencer, je te remercie d'avoir accepté d'entrer dans ma vie et de me confier également ta vie. Merci. Une partie de ta vie du moins. D'accord. Et je te promets comme principe d'être toujours à tes côtés, de coller dans tous tes projets. Je suis collé dans tous tes projets et je souhaite également que tu prospères dans tous tes désirs les plus profonds. Donc que le Seigneur exauce tous tes désirs les plus profonds du cœur. Amen. On doit dire que. Hein, amen. La famille, vous savez, quand on aime, il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas peut-être penser que je souhaite que tu termines ta vie avec moi. Non. Je souhaite que le Seigneur continue. Demandez et vous recevrez. Si tu veux, tu ne demandes pas. Dieu, c'est ton problème. En réalité, je sais que le Seigneur m'a mis comme tu aimes à dulciner. Donc, tu aimes à dulciner. Donc, il n'y a même pas que. Donc, à cet effet, ma chérie. Hein? Merci. La famille, un an de plus, ce n'est pas donné. Ah oui. C'est une bénédiction. Très bien d'avoir un an. Alors, chérie, regarde de ce côté. Allez.